Bon, allez, le portail du Migate Tanabata sur la Jap, il est là. Je suis fatigué, il est très tôt, et dans pas longtemps, je dois partir pour un long trajet en bagnole, hein, parce qu'on a plus de 6 heures de voiture. Mais j'avais le temps d'invoquer avant de partir, donc je vais invoquer avec vous. Alors, voici le portail de Migate, du moins ce qui est mis en avant, et c'est propre. C'est très propre. Alors, le Freezer, je trouve qu'il revient vraiment très vite. Mais c'est vrai qu'il est sorti après l'anniversaire, donc il revient très vite. C'est peut-être une illusion, on va dire. Mais voilà. Le portail. Pardon. Alors, le jeu risque de ramer un peu, parce que de toute façon, de base, la jam rappe beaucoup. Donc, je sais pas vraiment si ça a bien marché. Donc, Migate, magnifique, incroyable. Je veux le dropper. Je le veux. Je pense que ce sera déterminant de, avec les millions, est-ce que je garde mon compte Jap ou pas? Très honnêtement. Donc voilà, bon Migate. Bon, Dispo, c'est la nouvelle side unit. Ok. Freezer, bon bah je l'ai pas. De toute façon, j'avais skip sur la Jap. Hein. Le LR des 6 ans, le LR des 7 ans, alors je les ai à 100%. Alors forcément, si tu les as pas, c'est vachement cool parce qu'en ZLR, ils sont très forts. Donc là, pour le coup, le portail est vraiment ultra qualitatif. Mais représenter un piège potentiel si comme moi ça fait longtemps que tu joues. Bah ouais, évidemment, le retour du SSJ4 Tanabata de l'année dernière, ça c'est logique, donc si tu le drop, il est quand même encore bon aujourd'hui. Le duo Blue très bon en ZLR aussi. Donc eux, je les ai pas à 100%, je pourrais pardon, les passer à 100% si je les drop. Eux, ils m'intéressent un peu moins mais je les ai pas à 100% non plus. Lui, je l'ai pas à 100%, Jiren complètement nul malheureusement. Donc en fait, là, il y a quand même. Le portail est incroyable en fait, en fonction du point de vue que tu as par rapport à ta box. Parce que le retour des LR des 6 ans, si tu les as pas, ça peut rendre le portail complètement craqué avec lui aussi. Mais c'est vrai que dans mon cas, bon, ben, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse très moyennement. M'intéresse moins. Lui, le passer à 100%, c'est cool. Je serais content. Lui, bon, bah, ben, dropper des doublons, t'es content. Et ceux-là, je les ai à 100%, tu vois, donc le portail est compliqué, quoi. Bon, les amis, on n'hésite pas à laisser le pouce bleu, un maximum de pouces bleus. Pourquoi pas 500, pourquoi pas 1000 pouces bleus sur la vidéo, ça ferait plaisir de ouf. Et je vous souhaite beaucoup de chance, les amis, si vous invoquez sur ce portail. On y va, il n'y a pas de discount, il n'y a rien, c'est à l'arrache. Portail Tanabata, première multi-invocation, on veut la faille, bien sûr. On veut une animation, on veut Zeno, on veut Wish sur Beerus, accompagné de Satan. Il y a Vegeta. Alors, j'ai pas le son sur la Jap, hein. Ichikawa, ah, fusion, donc, Dokkanfest. Est-ce qu'on peut faire l'exploit de la first multi, comme ça on se fout pas en l'air sur ce portail, ce serait super beau. Je serais très content. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de Dokkanfest, hein, donc la probabilité de dropper directement Migate, elle est quand même assez mince. Allez, le jeu, s'il te plaît. S'il te plaît. L'année dernière, j'avais eu de la chance avec le SSJ4. C'est très bien que ce soit pareil cette année. On est dans des bonnes vibes, on est dans un bon mood et tout. Allez, on y croit. La pression. Eh, c'est le LR des 6 ans. Bon, c'est dommage. Bah ça fait un LR de Canfest dès la première multi, donc en termes de taux drop, c'est super propre. Par contre, c'est vrai que forcément, bah je te l'ai dit, c'est pas lui qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième détecteur? Pourquoi pas? Bon, sur le garanti, c'est plus compliqué en termes de taux drop. Bon, très bien. Est-ce qu'il me propose de le vendre avec les pièces? Ah, je l'ai pas à 100%. Non, 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 non. Eh non, c'est sur la globale que je l'ai à 100%, donc non. Bon, bah c'est cool. C'est cool, je l'ai pas à 100%, sinon j'aurais eu le message de l'échanger avec les pièces. Ok, c'est parti. Deuxième multi-invocation, les amis. On veut la faille. Parce qu'au moins, comme ça, c'est réglé. On sait que c'est lui. Bon, on n'a pas la faille. Bon, il n'y a pas d'animation. Alors, Chikabai, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'invoquerai pas sur le portail All-Star avec le retour des LR des 9 ans. Ce sera le 7 juillet. D'ailleurs, ça correspond au jour où l'anniversaire commence sur l'aglo. J'invoquerai pas sur le portail All-Star parce que. Ah bah la nouvelle side unit. Bon bah voilà. Ça c'est bien, ça fait plaisir. Ça c'est très bien. Du coup, oui. Alors ça va, je suis content, ça me va. Ah, Demigra.
Ça, je m'en fous. Je suis très très content, mais je m'en fous. Je m'en fous, oui. Réellement, je... Avec sa vieille coupe, là. Donc oui, j'invoquerai pas sur le portail All-Star parce que j'ai déjà Beast. Et je prendrai Broly directement avec les pièces et je garderai mes Dez pour les millions de la Jap qui arrivent au mois d'août. Donc, Puis bon, c'est vrai que sur le portail All-Star, bah, t'as Migaté, puisque c'est le portail Tanabata All-Star, mais en termes de taux de drop, ça va être compliqué. Il y a énormément d'SSR sur le détecteur, donc si tu veux dropper un SSR détecteur... Par contre, en termes de pièces rouges, c'est le portail le plus intéressant de l'année, puisque tu auras les pièces rouges et tu auras des très bons... Ah oui, c'est la side unit anniversaire, j'ai bugué pendant une seconde. Ça fait un doublon sur la side unit anniversaire, il est très fort aussi. C'est une belle multi en vrai. Franchement, moi je suis très 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 optimiste là. Oh! Pas d'animation. Le LR Tanabata de l'année dernière. Deuxième doublon. La multi est incroyable en vrai. La multi est incroyable sans animation. Hein. La multi est vraiment très cool, les gars. C'est beau. Franchement, c'est super beau. Ça fait plaisir de fou. Ça fait plaisir de fou, bah écoutez, voilà, deuxième ulti, c'est bien. Donc là pour l'instant, deux multi rentables. Par contre, bah ouais, les temps de chargement de la Jap, quoi. Ah, malheureusement, allez, le jeu motive, toi. C'est parce que tu comprends pas l'information, c'est pour ça. Tu m'as balancé une grosse multi de ouf. Et t'arrives plus à. Tu t'en sors plus, là. Et franchement, la multi, elle est belle, hein. Lui, c'est cool, et lui, c'est cool. Allez, on est sur une bonne vibe. Comme on dit, on surfe sur la luck. Allez, la faille. Ah, c'est dommage, Beerus, mais avec trop de monde, ça le fait pas. Kamehame, double craquage égale Dokkanfest. Pas de Kamehame à long. Allez, le jeu. Double craquage. Ah, dommage. Bon, là, par contre, ça garantit rien. Mais la multi précédente était très très belle. Hein. Franchement, j'en reviens pas, dis donc. Deux LR Dokkanfest en deux multi. Et pas les plus pourris du détecteur. Là, typiquement, si tu commences et que tu commences avec ce portail-là. Si tu commences un compte Jap et que tu commences avec ce portail-là et que t'as ces deux multi-là, franchement, déjà, t'es vraiment très bien, quoi. Tu prends un petit leader famille Goku, tu vois, et ça va. T'as déjà une très très belle rotation. Bon, pour l'instant, cette multi, elle est vide. Ah oui, elle est bien vide. Elle est bien vide, elle est bien vide. Mais quand même, 3 SSR, le taux de drop, il est... Pas 3 SSR, non? Ouais, c'est ça, 3 SSR. Le taux de drop est propre quand même. Hein. Allez, il reste 900 DS. Allez, c'est Migaté qu'on veut. Ah, il est tout seul. Bon, pas d'animation. Pas de texte doré. Itkaba, pas de Zeno, rien du tout. Bon, multivide pour le coup. Enfin, probablement multivide. Je rappelle qu'on a salement droppé sur une multi, il n'y avait pas du tout d'animation, quoi. Ça peut popper de nulle part, hein. Moi je suis le pro pour ça. Hein. Alors t'as bien vu, hein. Tout à l'heure, pareil, il n'y avait rien. Non, non. La multi était intéressante. Même en termes de hors détecteur, tu peux quand même dropper des trucs cool, quoi. Mon compte Jap, il est bien. Donc ça va. Alors, est-ce que je vais garder le compte Jap ou global? Franchement, j'en sais rien. En vrai, je sais pas. Ce qui me dérange si j'abandonne le compte Jap, c'est que c'est un compte full free to play. Alors que la globale, bon, le compte est vieux, mais pendant les deux premières années, j'avais quand même mis de l'argent dedans. Alors, c'est sûr que bah, en 2024, si tu prends la chose de manière relative, c'est pas ça qui fait globe ton compte, mais bon. Lui, je l'ai pas à 100%. Allez, la motivation, bon ça fait des pièces rouges. Les temps de chargement, toujours aussi longs. Ça, c'est parce que ça me dit que ça va me donner Migaté, mais que ça hésite, tu vois. Allez, le jeu déconne pas. C'est pas cool. Et il veut pas, hein. Allez, s'il te plaît. T'as tout le monde qui veut invoquer là en ce moment. Voilà. Excusez-moi. Hop. Ok. Bon, allez, on se motive. Je vais pas faire un all-in, hein. Je vais quand même garder quelques DS pour la suite, mais bon, ce serait cool que ça tombe.
Ah, côté Netrunks. Bon. J'ai un peu d'espoir. Zeno. Ichikawa Michikada, Zeno. Pas Zeno. Ça peut être 3 SSR random. Hein. Animation anniversaire. Aïe, aïe, aïe. A priori, ça sent mauvais. Parce que ça veut dire que c'est 3 SSR random. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, c'est pas grave. Ah, ça, c'est dommage. Je crois que c'est pire que d'avoir un détecteur donc, qui t'intéresse pas forcément. C'est d'avoir une animation pour 3 SSR pourri, quoi. Après, on sait jamais. Il peut se glisser une dinguerie au milieu. Dommage parce que l'animation anniversaire, elle est stylée en plus. Ouais, tu vois, c'est... Ah, c'est dommage. Oh, pas de Switch. Allez, le jeu, sois sympa. Ouais, j'ai assez peu d'espoir pour le coup. Où ça commence à faire 3 multi où on a rien. Je crois que le jeu, il a démarré très fort, puis après, il s'est un petit peu... Ouais, non, c'est pourri. Ouais, non, c'est pourri. Bon, bah, voilà. Tu vois, c'est le problème, hein, ce genre d'animation. Ça vend du rêve, mais derrière, c'est full Baba Shop. Hein. Bon, 800 DS. Allez. Ça fait 5 multi déjà. 6 multi, du coup, maintenant. Oh, dommage, Virus avec 2 persos. Ah, ça peut proc, hein. Ichikawa et Ichikada. Le portail s'est refermé, je crois. Il s'est ouvert au début, puis il s'est refermé. Malheureusement. Mais là, ouais, là, ça sent mauvais encore. Là, ça commence à faire quelques multi où on enchaîne avec rien du tout. C'est un peu dommage. Ah, je te dis, je crois que j'ai vraiment eu la chance au début, puis après, ça... On a eu la chance sur 2 multi. Et là, ça fait 4 multi quasiment où il n'y a rien. Donc, pour l'instant, mitigé. Le résultat, mitigé. On va faire encore 2 multi, je pense, on va s'arrêter là après. Je vais pas forcer inutilement si vraiment le portail donne rien du tout. Faut pas forcer dans le vent, ça sert à rien. Donc, ouais, c'est vraiment pourri. Malheureusement. 700 DS. Ça fait déjà 6 multi du coup, 7ème multi. Ah ouais, 7 multi, c'est carré. Pas de faille. Vegeta. Ichikawa, Ichikada. Fusion. Allez, sur la dernière multi. Bon, au moins on sait qu'on a un Dokkan Fest. Parce que là, pendant 4 multi, le truc il s'est complètement fermé. Après, il y aura des tickets aussi. Il y a des tickets Rainbow qui permettront d'invoquer sur ce portail encore. On sait jamais. Ça peut tomber de manière random aussi. Hein. Allez, le jeu. Me fait languir là. C'est maintenant. Miaté. Allez, c'est là. Non, c'est pas là. Ah, ça va être sur le garantie. Ce serait étonnant quand même en termes de taux de drop. Ce serait ouf. Oh. Je peux pas crier, mais je suis tellement content, putain. Il tombe sur la dernière multi. C'est trop beau. Regarde comment il est beau, sérieux, putain. Regarde comment il est beau. Comment il est beau. Oh, comment il est trop beau. Il est tombé. Je suis trop content, putain. Je suis trop content. Mon Dieu. Ah, je suis trop refait, les gars. Aïe, 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 aïe. Déjà, je savais d'avance que j'allais passer une bonne journée. Mais alors là, franchement, ça fait super plaisir, quoi. En plus, je me suis dit, ah, il n'y a pas de faille, il n'y a pas Zeno, ça garantit pas le nouveau, il n'y a pas l'animation de Whis. Mais non, mais il tombe quand même, en fait, quoi. Donc, SSJ Katanabata, le Migaté et l'autre Migaté en plus, en 7 multi,
Ça rééquilibre très très bien les taux et franchement, c'est une belle vidéo en vocation, les gars. Ah, c'est une belle vidéo en vocation, je suis trop content, sérieux. Le freezer troisième forme, que j'ai pas à 100% aussi avec son slibard là. Ah la vache! Allez, let's go. 700 DS pour la suite, les gars. 700 DS pour la suite. Est-ce que je peux regarder ici? Est-ce que ça rame pas? Non, c'est bon. 7 multi. Lui, 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 lui et lui. C'est rentable. C'est vraiment rentable. Et du coup, je voulais voir juste un truc avec vous. Ah, c'est ça. Donc, Migaté passe 100%. Lui, c'est le deuxième doublon. Et lui, c'est le deuxième doublon. Ouais, 100%. Oh, non, non, franchement, c'est. Non, c'est beau. C'est trop beau. Oh, je suis trop content. Bon, il a une spé farmable, hein. Je rappelle pour ceux que ça intéresse, mais voilà. C'est bon, le job il est fait, les gars. Le job il est fait. Migaté, il est là. On le testera dimanche, quand je serai de retour de festival. En tout cas, j'espère que vous avez eu autant de chance que moi si vous avez invoqué, les gars. L'essentiel est fait, il est dans la box. Et sur ce, bah, écoutez. Je compte sur vous pour le soutien. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu. Ça fait super plaisir à vous abonner à la chaîne YouTube, les gars. Sur ce, moi, je vous laisse. Prenez soin de vous. C'est important. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour toujours plus de passion d'Okan Battle. Salut!